Passez pas devant les policiers. Merde. Il veut me taper. Aide-moi. Aide-moi. Monsieur Otaku, monsieur Otaku, ne regarde. Ah mon dieu. Vas-y, Brittle, comment l'entraînement. Ça quoi, on a travaillé une heure et la deuxième, au bout de la première, à la fin de la première heure, il nous a dit c'est pas fait, c'est au final c'est pas noté. Du coup, eh ben, on a fait que, on a rien foutu. Les boules. Ah, faut le dire, hein. Là, de toute façon, je peux avoir les 1000 abonnés ce soir. Faut le dire, hein. Je fais une FAQ à 1000 abonnés. Merde, je te fais spawn un kepa, tu vas voir la voiture, elle va faire toute la map. Mais tu fais ça et moi, je fais un ticket. Tu fais un ticket à toi-même? Non, bah non, je peux pas. Je vais faire un ticket à un administrateur. Mais t'es pas admin. Enfin, bah même si j'étais admin, j'aurais pas le droit. C'est logique. Ah. Pas drôle. Ah ouais, du coup, il y a plus. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Faut trouver un truc à faire. Ouais. Ça fait bizarre de passer. Genre, j'ai passé une semaine en mode admin dessus et j'en passe 100 jours, ça fait trop chelou. Genre, en fait, j'ai envie de réprimander tout le monde. C'est trop la mort. Genre, aide-moi là-bas, fais pas ça et tout. Mais... Pour toi, je vais toi. Ah merde, ça va, j'ai pas mes droits. Ah bah. Pff, ah, oh. Attends, je te TP sur toi. Pff, oh, bah, je peux pas. Oh, merde alors. Du coup, que faisons-nous? Que je sais pas. Viens, on fait les handdeck. Tu veux faire un deck? Vas-y, c'est marrant. En ce moment, j'aime bien jouer handdeck. T'as une voiture ou pas? Du coup, comme t'as pas d'argent, on peut pas. On peut pas prendre de voiture. Ah bon? Ouais, y'a que ceux qui sont au gradé qui peuvent parce que c'est pour l'optimisation du serveur. Je suis pas d'accord. Bah, si t'es pas d'accord, tu vas sur le forum. Je veux dire, problème sûr. Faire ça qui à chaque fois. Ah bah, attends, une semaine à apprendre les règles, c'est bon. Moi, ça prend du temps. Hein. Moi, j'ai beaucoup. J'ai 230 000. Que 12 000. Ah, ça pauvre. On va aller. Ah, attends! Ah, y'a une PO devant la mairie, on doit y aller! PO! Oh, wesh! Les gars, poussez la voiture, ouais. Poussez la voiture, avec votre voiture là, poussez la voiture. Apportez le bélier! Non, là, c'était Astérix Obélix. S'il vous plaît, monsieur, circuler, c'est une. Je suis le parent. Ah bah d'accord, bah. Justement, c'est qui s'occupe d'avoir la somme? Robocop! Il faut la somme de l'argent. Somme de l'argent? Ah, on se fait tirer dessus. Je le vois. Il est côté hôpital. Putain, mais il se passe quoi? Y'a plus personne à la PO là. Bah normal, on est tous morts. Ah ouais? C'est où? Ah bah... Passez pas devant les policiers. Merde. Aïe. Pardon. Ouais, un jouet qui tue, ouais. S'il vous plaît, vous faites quoi là contre le mur? Vous faites quoi avec votre pied de biche? Reviens là. Reviens là. Bouge plus. Je regardais la serrure. Avec un pied de biche? Bouge plus! Oui! À 3 je tire! Une! Attends, deux! Passe! 3! Taser! Eh oh! Hein? Quand je te dis plus bouger, il faut plus bouger! Tu me menottes ça, collègue? Mets-lui les menottes, collègue! Monsieur, si je vous donne de l'argent. Non, c'est rien! Il a quand même essayé de faire de la corruption, hein, collègue! Les corruptions, bah ça. Eh bah, bon poste, hein! Tu veux nous suivre au poste? Ah bah oui, bah fallait t'y prendre à deux fois avant de venir, hein! Ça va vous coûter cher, ça! T'as un agent secret? Ok, bah on va vérifier vos papiers à l'intérieur, ça vous dérange pas alors? Tout ça soit drôle quand même que vous ayez un pied de biche à regarder la serrure de la petite voiture, hein. En plus vous fuyez, et vous voulez corruptionner la police. Oui, réquisitionner un véhicule à côté d'une prise d'otage, c'est parfait ça. 600 000 euros sur mon compte en banque. Mais on s'en fout, mais je m'en fous que t'es 600 000, bravo à toi. Mais nous on t'arrête parce que tu as essayé de corruptionner la police. Si je vous fais mon gâterie. Il dit qu'il allait nous faire des gâteries. Oui, les gâteries, il les fera en prison si jamais il peut contenir. Bon, tu l'enlèves ses menottes et tu vérifies ses papiers, s'il te plaît. Arrêtez ça, par contre, arrêtez ça de lécher le vent. Le vent n'est pas votre ami. Mais pourquoi tu ris à ces abrutismes? T'es pas très éphémère. Si, c'est une dictature, tous les gangs doivent mourir. Ah oui, d'accord. Si on voit une personne arme dans la rue, les policiers ont le droit de l'abattre. À mon de là, il n'y a pas marqué règle d'avoir un bécherel obligatoire dans sa voiture. Eh hey, oh, Thierry, trop drôle. Bah viens, on va lui demander. T'es où? Derrière toi. Je mate ton petit cul. Ah mon petit... Mais non, t'es pas là. Ah oh, mais je mate le cul de la mauvaise personne alors. Oh, regarde-moi ça là. Bah, Attends, voilà. Vous avez rien vu, d'accord, c'est... voilà. C'était celui qui était au Comico. Il a fait des menaces de mort, les gars. Le dépanneur, il a pris la voiture au calme, de plus, il fait « Fuck the police », genre.
Cet otaku va crever. Mais quoi? Comment il connaît ton nom? Bah attends, mais ta gaming. Alors, ticket. And all the people say you can't wake up, this is not a dream. The clock is on the machine. Et t'es aussi obligé de dire Atlas Roleplay Staff, je sais pas quoi là, Staff Atlas Roleplay, t'as fait un ticket, je fais une connerie comme ça. Quoi? Mais tu. Genre, le mec il est arrivé, il a fait Staff Atlas Roleplay, vous avez fait un ticket, un truc comme ça, genre en mode. Genre un mode service après-vente? Ouais, voilà. Trop bien. Non, je suis pas obligé de faire ça. Ah! Ok, un mec qui vient de se faire buter, je suis devant ma bouche. Oula! Non, c'est bon, c'est bon. Ça tire! Ça tire! T'es où? Je suis là, je suis là! Ah, ah, pousse-toi, pousse-toi! Appelez des renforts! Non, ils ont tué! Tu te fais à gauche, à ta gauche! Quoi, quoi, quoi? J'ai pris une balle! Je suis passé à 17 de vie! T'as 200 000 là! Oh. Ah, ils vont pas me tuer, je viens de spawn! Vas-y, on va s'acheter une arme. Y'a un mec qui a sauté derrière toi! Trop risqué, mec, il est tout seul contre 4 poussies, il peut mourir quand même. Vas-y, attends, je le contourne par la droite. On contourne, deux équipes de deux. On va se mettre derrière un arbre. Ouais. Une personne vient de me téléphoner comme quoi il y avait de la méthamphétamine au Taco Bell. Ah, allons voir. Ce qu'on va faire, on va faire deux équipes pour être plus dynamique. John Fritel, vous êtes avec moi. Wassil et Arthur. Le reste, vous allez au niveau des HM là-bas. Oh, il y a deux mecs là. Oh putain, je crois qu'ils sont là. C'est... Vous nous avez appelé? Ah, allez, tous les agents avec nous. Ah, du coup, on va s'inquiéter. Sortez vos stuns, votre taser, les amis. Là, ils vont avec un laser, ils sont là. Waouh. Nous y allons. Ils ont acheté l'appartement. Bah, de une, on a vu les personnes vendre. Et moi, j'ai vu les produits pour fabriquer de la mettre en haut. D'accord. D'accord, on va se baser donc sur vos propos. Faire un mandat, quoi. On a qu'à demander au maire un mandat pour... Ouais. Bah écoutez, allez-y. Mais attendez, on sait même pas leur nom. Est-ce que vous savez leur nom? Vous avez pu récupérer leur nom ou pas? Non, mais si vous voulez... Si vous voulez, je peux ouvrir. Vous ouvrez? Comment ça? Comment? Ils ont des logpicks. Oui, mais non, mais merci, mais on essaie de jouer RP, Peter. Je sais, bah excusez-moi. Excusez-moi, je veux dire, voilà, quoi. En même temps, il avait pas de sortir, j'ai les clés. Et voilà, t'es trop con. Mais on n'a pas le droit, on n'a même pas de mandat. Les gars. Bah ça, ça sera vous les conséquences. Bah on est policiers, mais nous avons des ordres à respecter. Mais il nous faut un mandat pour pouvoir utiliser le brise-porte. Propriétaire de cette propriété. Monsieur, s'il vous plaît. On aimerait vous poser 2-3 questions. C'est la police. Police de Roquefort. Ah, c'est bien ça, GG. Oui, bonjour, nous avons reçu une plainte comme quoi il y aurait des trucs pas très légaux ici. Tapage nocturne, odeur assez prononcée. Ouais. Bon, écoutez, ce qu'on va faire. Écoutez les amis, ce qu'on va faire. Non, on va faire mieux que ça les copains. Nous allons placer 2-3 agents dans le secteur, histoire de, hein, de surveiller un peu l'accès, voir si quelqu'un descend ou pas, histoire de questionner, etc. Bah non, justement, alors là, il va falloir jouer de votre maliné. Bon, je pense qu'on va placer 2-3 agents ici. Monsieur. Ah bah tiens, allez interroger. Il vient pas de sortir de la chaîne. Bah si. Mais... Et vous dites pas, il y avait que la personne, il y avait que eux dans le bâtiment, il y avait que cette... Ouah, le Nofir. Mourez pas! Voilà! Et bah, mon dos de là, quelqu'un a pris des balles? Quelqu'un est blessé? Moi j'ai pris des balles, mais. Ah mince! Faudra vite aller à l'hôpital! Quelqu'un a ramassé sa carte d'identité ou je sais pas s'il avait quelque chose sur lui, des papiers? J'ai récupéré son arme. Son arme? Amenez-le au labo pour qu'ils analysent et voient les empreintes. Okay. Eh, est-ce qu'on joue pas bien RP quand même? Non, mais pour avoir son nom, abruti, aller à son appartement! Et ça. Ah, t'as fait un... Ah, Ce que je veux dire, c'est qu'on peut regarder directement. Mais non, mais on s'en fout, bah oui, mais on s'en fout. Tu passes tout le temps par la mairie pour acheter, de toute façon. Mais on s'en fout, non, et on regarde les empreintes, ça prend 10 secondes. Ça prend 10 secondes, ouais, bien sûr, ouais. Bah ouais, faut juste aller au commissariat. C'est que moi, je suis. Comment s'appelle là, ceux qui cherchent les empreintes? Les chercheurs d'empreintes? Tristan, t'as changé. Quoi? T'as changé. Quoi? Toi, RP est beaucoup plus développé. Attendez, faut sortir la table de scientifique. L'arme tout à l'heure, je vais déposer ça. Ouais, donc il est sur la table. On analyse tout ça, s'il vous plaît. C'est qui notre représentant scientifique ici? T'as pas un critérium, mine de critérium. Vas-y, Wassil, il y en a toujours une sur lui, toujours dans ses poches. La mine de critérium, ça va me péter. Je vais péter la mine de critérium, ça va faire de la poudre, ça va pouvoir relever les empreintes. Mais oui, tu es un génie. Voilà, notre scientifique est parti en vacances, et bah tu sais quoi, on a pas besoin de lui. Oh, je pars à Hawaï. Oui, bah tiens, juste une mine, un crayon, pouf. Il a sans doute la poudre. Mais c'est de la mine, il l'a écrasé. C'est pas de c'est la pour poudre, les empreintes. Mais si, ça fait de la poudre à la fin. La poudre de critérium. La poudre de perlimpinpin. Au final, on était censé aller acheter une arme.
Mais en fait, la personne est morte. Mais c'est pour avoir l'empreinte, et son nom pour l'appartement, pour mettre un mandat. Il y a peut-être encore les preuves dedans. Ouais, enfin, avec les nobles ou pas? Non, non, deux, mec. Merde, peut-être en double slash, sera mieux. PO? Sans aucun rapport. Salut, gamer. Un ou deux, PO. Un ou deux, quatre. Avec les nobles, bleu ou rouge, 18, s'il vous plaît. Avec un peu de sauce au miel. Voilà. Ah. D'accord. Ah bah il y a matos de compétition, hein. Dans le frigo on l'a trouvé. Fallait faire un tour quand même. C'est pour réchauffer parce qu'en fait... Ah, cette personne est rentrée comme ça là. Y'a un pied. Oula, qu'est-ce que vous faites là là monsieur? Ah, agent Mon, vous pouvez aller voir ce qui se passe avec l'agent Fritel? Il a l'air d'être en galère dehors. Y'a un petit dans le comico, mais qu'est-ce qu'il fait là? Personne n'a pensé à fermer la clé. Peut-être déjà trouver un nom ou pas un truc. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Oh, Jean. Faut l'amener à l'hôpital. Allez à l'hôpital les agents affectés. Est-ce qu'on peut au moins trouver une tête, je sais pas, un nom, un prénom? Je vais rentrer dans la base de données. Ça marche. Ah, je vais mourir. À toutes les unités, on a besoin de renfort, s'il vous plaît, merci devant Comico. C'est horrible. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible, mon collègue. Fritel, j'ai dû l'abattre, il souffrait trop de la jambe. Qu'avez-vous fait? Il m'a demandé de l'abattre. Contre le mur? Non, on aurait pu le sauver! Il voulait mourir! Agent Arthur Padré, nous vous arrêtons pour homicide volontaire envers un policier. Tout ce que vous direz pourrait être monté contre vous, au juge. Je peux pas lui mettre les menottes. Masse. Il a des poignets trop gros. Bon, vous allez nous suivre gentiment. Et ne faites pas de gestes brusques. Okay. Allez. On s'occupe vite de lui et puis voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Si on le met en prison pendant une durée indéterminée et qu'on vient le chercher après la prise d'otage, ça passe? Hein? Non, monsieur, s'il vous plaît. On va faire comme ça. Monsieur, par contre, faudra pas l'oublier. Ça marche, mais faudra peut-être penser à aller au Comico, il me semble que, je sais pas si elle est sortie, bah allons le délivrer. Il n'a pas fait un si gros crime que ça. C'est vrai quoi, il a quoi? Il a tué Fritel, ouais. Ah! Vous avez pas mangé après? Ouais, vous pouvez sortir. Faites attention la prochaine fois, hein.